Bonjour. Le message est délicat. Donc, je ne veux pas mettre de filtre dessus, je vais vous le dire comme j'ai entendu. Donc, j'ai fait un rêve et je voyais dans ce rêve les personnes marginalisées ou les personnes qui n'étaient pas censées avoir une chance. Par exemple, on sait au Cameroun que il y a des classes, des tribus qui sont un peu, ok, je vais être, je ne suis pas tribaliste, mais il y a des faits. Et on se bat beaucoup contre ça. Quand tu arrives à Douala, tu ne parles pas bien le français. Et que tu es anglophone. On te... C'est un peu comme si on te simplifiait. C'est un peu comme si tu dois travailler deux fois pour te prouver. Quand tu es nordiste, parce qu'on a déjà cette préconception dans la tête que le nordiste, il n'est pas sage, il ne parle pas bien le français. Donc, dans mon rêve, en fait, le Seigneur me montrait que les gens qui sont de naissance défavorisée. Ils vont subitement se retrouver accélérés. Ça, c'est la première phase, première partie. Donc, qu'on ne soit pas surpris qu'on ait un président, le futur président, peut-être c'est une femme. Ou bien le futur président, c'est un nordiste à nouveau. Donc, les choses sont, énergétiquement, les choses sont en train de changer. Parce que ces personnes, et on sait tous qu'il y a, chaque pays a sa, chaque pays a ses choses, a ses dictons, voilà. Bonjour, bonjour. Tu sais peut-être qu'une femme, si elle n'est pas mariée, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire dans un pays. Vous êtes peut-être en Europe, vous venez d'arriver. Et on vous dit, voilà, un homme noir à Washington peut-être. Un homme camerounais ne peut pas. Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on vous a dites par lesquelles vous vivez et qui forment des peurs dans votre esprit. Bon, je ne sais pas si vous venez d'arriver dans le direct. Bonjour. Donc, je viens de me réveiller et j'ai ce message que je devais vous passer. Donc, le premier message, c'est que les barrières générationnelles, les barrières, je sais pas comment mettre ça en message très court, mais je ne peux qu'expliquer pour que vous compreniez. Donc, les limitations que vous aviez
les limitations tribalistes, racistes. Donc, quand j'explique, peut-être quand tu arrives aux États-Unis, on t'a dit une femme noire ne peut pas faire telle chose. Le Seigneur est en train de shifter cela, il est en train de changer cela. Tu arrives en Angleterre, on t'a dit voilà, les Camerounais ne peuvent pas faire ça. Donc, ça, c'est en train de tomber. Le deuxième message, c'est vous êtes dans votre période d'accélération. Donc, dans mon rêve, le Seigneur me montre, c'est un peu comme si c'est plutôt de la restauration. Donc, il y en a parmi vous, vous avez passé des années à faire quelque chose. Donc, ça fait 8 ans que tu essaies de. Que tu as lancé ta propre entreprise. Et tous les 6 mois, tu changes de business. Tous les 6 mois, tu fais dans un nouveau truc. Dans les 6 prochains mois, tu vas avoir tellement d'argent. Écoutez, Dieu ne fait rien sans annoncer. Et quand il annonce, c'est celui qui croit qui reçoit. Je sais pas pourquoi j'ai subitement envie de boire de l'eau. Attendez. Donc, quand le Seigneur annonce quelque chose, c'est celui qui a cru qui va obtenir. La Bible a dit à Marie que bénie est celle qui a cru parce qu'elle aura un accomplissement des choses qui lui ont été annoncées de la part de l'Éternel. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, ça fait 15 ans que vous êtes dans un pays en train d'essayer de faire quelque chose et ça ne donne pas. Dans 6 mois, je vous le dis encore, dans 6 mois, vous n'allez pas reconnaître votre vie. Il n'y a que celui qui veut comprendre, comprenne. Que celui qui va recevoir, reçoive. Et que celui qui va prophétiser sur sa vie, prophétise. Ce ne sera pas la durée de tes prières ou le nombre de fois où tu es parti à l'église qui va changer ta vie. Ce sera le fait qu'un jour tu te lèves et que finalement tu crois. You start believing. Certains d'entre vous, vous allez vous réveiller, il y aura tellement d'argent. Donc, tu vas te lever un matin comme ça, tu vas sortir de la maison, tu as 10 000 sur toi. En entrant le soir, tu as 2 millions. Et les 2 millions, c'est pour toi. Hein. Le lendemain encore, tu sors, tu as 2 millions. En rentrant, tu as 5 millions. Les 5 millions, c'est pour toi. Hein. Je dois vous annoncer pour que ça se concrétise dans votre vie. Si je ne dis pas, ça ne se fera pas. Parce qu'on doit vous dire, vous devez croire pour que ça se fasse. Vous avez longtemps, vous avez beaucoup souffert. Certains d'entre vous ont beaucoup souffert. Et il y avait des périodes où vous faisiez les choses, ça ne marchait pas. Tu fais. Tu fais. Après, je te demande même que je suis invisible. Donc, ne me vois pas aussi. Donc, comme je suis là comme ça, là, je vends les mèches, vous ne me voyez pas aussi. Ma chérie, c'était la taque pour la couverture spirituelle. Et ça que vous ne croyez pas aux choses comme ça. En tout cas, si vous m'écoutez depuis un certain temps, c'est ce que vous commencez à croire. C'est depuis que je vois je vois les témoignages des gens que je comprends
Il y a la dame qui est venue d'Allemagne hier, non? Elle est arrivée, qu'elle a commencé à partager son témoignage. J'ai seulement fait la vidéo pour que vous compreniez, parce que les témoignages comme ça, j'entends ça tous les jours. C'est 1 million, c'est 7 500 euros. Vous devez... Quand tu complètes tout un cycle et que tu fermes, donc tu es venu clôturer les souffrances de 5 générations dans ta famille. Ce qui fait que tu ne peux plus souffrir, tes enfants ne peuvent plus souffrir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu as découvert et tu es en train de pratiquer des choses spirituelles qui sont en train d'enlever les malédictions qui avaient sur vous depuis 50 ans. Il y avait ça sur la mère de la grand-mère de ta mère, la mère de ta mère elle-même. Toi-même, tu as ça depuis 30 ans. Ça fait déjà 4 ans, tu essayais. Depuis 5 mois, maman, tu as été de voir le Wonder Food. Vous allez rester comme ça là. Il y a un passage de la Bible dans le livre des rois. Deux rois. Il y avait la famine. Et un prophète se lève et il dit que demain à l'heure-ci, il y aura la restauration. Comme on n'arrive même pas à manger, demain il y aura tellement de nourriture qu'on va gérer. Moi-même. Il a prophétisé. La main droite du roi a dit, ah, pardon, qui là-bas? Tu parles des trucs comme ça là. Moi, il ne croit pas. Il lui a dit que tu ne crois pas, mais ça va se passer, mais toi, tu ne vas pas vivre pour voir. Et devinez quoi? Le lendemain, le monsieur est mort. Le monsieur là est mort. À l'instant où les portes d'abondance s'ouvraient sur le pays. Ne soyez pas celui qui va mourir pour que votre famille avance. Et vous dites que la femme qui est venue hier là, quand on a fait le lavage, quand vous entendiez la femme la prier, c'est comme si elle était c'est comme si elle se chamaillait avec quelqu'un. Et j'en avais fait le lavage. Les gens disent leur prière, ça ne prend pas plus de 2, 3 minutes. Maman, elle a parlé même pour 10 minutes hier. Elle parle, elle parle, je parle sur les autres personnes, je fais pour les autres, je reviens sur elle, elle est en train de parler. Je tourne, je reviens, elle est en train de parler. Il dit que yay. Elle a dit les immeubles qu'elle veut, le genre de personnes avec qui elle veut se marier, le genre de voiture qu'elle veut avoir après ceci. Il dit qu'est-ce que la femme n'a pas dit hier? À un moment, les autres qui étaient à côté d'elle, ils s'arrêtaient, ils écoutaient sa part. Après, ils disaient pour eux aussi ça. Vous savez quoi? C'est la mesure de votre bouche. Et si tu ne crois pas, tu ne peux pas dire quelque chose. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas parler. Il y en a parmi vous, tout ce que vous avez dit sur votre famille, oh, on est bloqué. On est bloqué. C'est tout ce que vous savez dire. Vous n'avez jamais dit que tout démon qui a bloqué ma famille depuis 4, 5, 6 ans, depuis 60 ans, je te détrône. Non. Vous n'avez jamais parlé comme ça. Donc, ce qu'il y en a parmi vous, c'est maintenant vous commencez à voir. Vous commencez à voir. Et
Si quelqu'un a pu demander quatre choses et la personne a obtenu même au-dessus des quatre choses, ça veut dire que il y a quelque chose. Et si la... Si la restauration de votre famille était dans votre bouche, si le visa de tes frères était dans ta bouche, la première dame qui est venue chez moi pour faire son travail spirituel, vous savez que c'est pas n'importe qui vient chez moi. Hein. Parce que c'est un de ces petits qu'on dit qui va venir là. Elle est arrivée, elle dit, elle a fait la photo de tous ses frères. Elle a dit qu'il faut qu'on les lave. On a fait le lavage de ses frères. La nuit, son père vient dans le rêve. Il lui dit, elle est encore chez moi, elle est encore dormie chez moi. C'était sa dernière nuit. Il dit, tu as pris le kit fondation seulement pour toi. Prends le kit fondation pour tes frères. Son père il est décédé depuis une vingtaine d'années. Elle a pris le kit fondation pour ses frères. Quelques semaines plus tard, elle m'envoie le test. Les résultats sanguins de son frère qui était séropositif. Elle me dit, il a fait sa charge virale. Il n'y a pas... On n'a pas trouvé de... Il est séronégatif en fait. Et c'est ce test qui bloquait sa demande de visa depuis. Donc maintenant, son frère va faire son visa pour voyager. Celle qui est venue ce week-end-ci là, elle est arrivée. Elle passe la première nuit. Elle me dit que je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut qu'elle fasse le lavage de mes frères. Elle a 8 frères, 7 ou 8 frères. 7, je pense, parce que sa mère avait 9 enfants, un est mort. Donc elle a 7 frères. Celle même qui est venue d'Allemagne hier, elle était là avec son frère. Quand tu vois le gars mignon, même dans son aura, c'est quelqu'un qui devait avoir l'argent depuis. Mais les blocages qu'il y a sur sa soeur. Parce que quand ces gens-là vous bloquent, ils ne bloquent pas seulement une personne. Généralement, ce sont vos onglicones, tanticones. On a bloqué vos pères, vos mères, bloqué les enfants de vos parents. C'est-à-dire vous. Quand elle est venue avec son frère, elle a dit, elle donne, je donne, et je donne, son frère prend. Je donne pour elle-même. Et je lui ai dit, maman, tu as la chance. Parce que je sais comment une femme, moi-même j'ai des petits frères. Je sais comment une femme, je sais pas, nous, on a un cœur là sur nos frères. Que, même si tu insultes, ils font n'importe comment, ton cœur est que sur eux. Ton frère, pas même, il fume même le chanvre, ton cœur est que sur lui. Tu dis, ouais, il faut que l'homme se marie. Ouais, il faut qu'il ait aussi le visa, non. Ouais, il faut qu'il trouve aussi le boulot, non. Tu as déjà parlé 50 fois, il n'a pas écouté 50 fois. Mais te voilà encore aujourd'hui. Je lui ai dit que ma chérie, ça c'est la grâce de Dieu. Parce que moi personnellement qui vous parle, j'ai mon petit frère. J'ai tout fait, le gars ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Emmanuel, quand moi, je ne fais pas moi la pitié ici. Je ne sais pas ce qui a parlé ici jusqu'à vous dire que Asia. L'enfant béni de Dieu. Il y en a ici là. Hein. Vous venez ici là. Vous venez seulement faire le lavage. Il y a certains d'entre vous que vos démons. Hein. Le sel seulement ne va pas suffire. Et si tu t'es lavé le sel, tu n'as pas encore eu même seulement 10 000 pour venir acheter un kit. Hein. Vous croyez que les produits qu'elle fait tous les jours, les lavages qu'elle dit qu'elle fait le lavage, vous croyez que je fais ça pour rien? Je sors les nouveaux produits tous les jours. Parce que vos démons, ils upgradent leur système. Donc,
Si tu me suis depuis 6 mois, tu es toujours encore celle-là. Continue ton sel seulement, tu as compris? Reste là-bas derrière. Je sais que quand vous parlez, vous dites toujours que vous maîtrisez. Tu ne peux pas venir, tu achètes le sel de 50, tu te laves avec. Tu dis, Seigneur, donne-moi 1 milliard. Tu es bête. Moi, je vous dis mes choses au hoha. Je veux 25 millions de francs CFA. Seigneur, je te dépose 1000 francs. Oh my God, vous êtes bête. Même Dieu lui-même a dit que tu dois payer la dîme. Quand Dieu parlait de dîme, c'est parce qu'il connaît que tu lui as donné au moins 10% de ce que tu as en train de dire que tu cherches là. Les gens payent leur travail spirituel. Et les gens que j'ai vus sont sortis leur argent. Je ne vais pas vous mentir. La femme qui vous dit qu'il a fait le témoignage hier qu'elle a eu, elle a demandé 15 000 euros. En un mois, Dieu lui a donné 20 000 euros là. Vous voulez savoir le salaire, le nombre de prières, les sacrifices que la femme l'a fait? Restez là-bas pour vous laver avec le sel. Je suis lavé avec le sel 50 fois par jour pendant 25 jours. Rien n'a changé dans ma vie. Évidemment. Et vous dites-moi mes vérités cachées. Souvent, il voit quelqu'un, il vient faire une offrande de 500 francs. Seigneur, je reçois mon milliard. Je reste comme ça, il dit que vous-même aussi. Ouais. Je reçois ma voiture de rêve qui coûte 100 millions. Il y a les gens qui partent vous bloquer. Ils payent le bœuf. On tue le bœuf de 500 000 pour bloquer ta famille. Viens, tu donnes 5 000. Tu dis que tu veux bloquer, tu veux débloquer ta famille. Mof. Tu vas confirmer le code. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous allez faire même 10 ans avant de voir un petit changement. Parce que ton blocage, c'est le blocage qui, pour repayer ça, c'est au moins 2 millions. Et comme toi, tu ne fais des offrandes que de 500 francs par mois. Fais 500 francs par mois, tu multiplies par le nombre d'années pour que les 2 millions là soient remboursés. Dans le spirituel, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je dois vous dire l'autre là, Roha. Je veux que mon fils soit footballeur. Tu sors, tu achètes le sel de 2 euros. Tu veux que ton fils soit footballeur? Vous-même là, hein? Ouais, Seigneur. Jesus is Lord. J'ai dit que j'ai des clientes qui. Elle dit d'abord que physiquement, elle a payé l'école de formation de son fils 25 000 euros l'année. Maintenant, elle te dit que travail spirituel. Elle te sort 3 000 euros comme ça, là, pam, elle travaille son enfant. Restez là-bas. Je veux que tous mes enfants, toi, tu vas être milliardaire, toi, tu vas être ceci. Oh là là. Le spirituel est très, très, c'est très violent. Hein? Très violent. Quand vous simplifiez. Je me rappelle, ça a 3 ans. 3 ans, fin 2019. J'avais encore l'église le temps là. J'avais une église, j'avais ouvert l'église à un moment. Donc, j'ai une de mes filles spirituelles. Elle, là, dans sa famille, avait trop de malédictions. Elle me dit qu'il y a une de ses mères, là, qui lui a dit à un moment que... Donc, elle pouvait voir certaines... Parce que chacun a son don spirituel. Dans l'ordre spirituel, elle pouvait voir certaines choses. Elle lui disait que... Toi, sur ta part, là, on a donné le bœuf. Qu'il y a des malédictions sur toi. Que si tu ne fais pas l'offrande du bœuf... La fille était en Italie, elle n'avait pas les papiers. Elle était dans un centre fermé avec l'enfant.
Parfois, elle restait, elle faisait 40 jours dans la maison sans voir le dehors, sans voir le goudron. Mais elle te dit que j'ai envoyé 500 000 francs. J'ai dit, parfois que maman, tu as pris l'argent là où elle dit que tout l'argent qui est dans ma poche. J'ai dit que je dois me détacher. Et tu la vois, elle était belle, jeune, 27 ans, talentueuse, intelligente, smart, pas le genre de fille que c'est seulement l'école qu'elle a fait. Tu la vois, on s'en, elle retient vite. Tu... Mais rien n'avançait dans sa vie. Tu vois, moi, le petit bébé qui est dans sa main, qui a 1 an là. Belle! Tu dis que, mais c'est quoi ce blocage? Tu fais quoi dans le centre fermé? Elle dit que, maman, me voici. Je me suis mariée. Mon mari avait les papiers. Ma fille est italienne. On a eu les problèmes à la maison comme ça là. Il m'a chassé tout, tout, tout. Il m'a donc. Ouais. Régner l'enfant. Mais c'était pour elle, elle a pris ça comme une période de pèlerinage. En un an, il faut voir le nombre d'argent que la fille là avait payé. Quand elle a commencé à voir son, sa PC, elle te parlait des choses que. Elle dit que souvent, quand son père se fâchait comme ça là, il est maudit. Il est maudit. Donc, la bouche de son père l'a gâté ses enfants. Oh Seigneur, quand elle te raconte son enfance, tu comprends qu'elle avait les prédispositions spirituelles pour échouer. Mais elle était en train de prendre sa vie en main. Donc la fille, là, je sais que je ne lui donne même pas 5 ans. Même seulement ma propre vie, moi. En 2000, j'ai fait beaucoup d'églises. 2000. 11, j'étais à Potter's House à Birmingham, en Angleterre. 2013, Potter's House. 2014, je suis allée à BCC, Birmingham Christian Center, Birmingham. Après, je suis partie à Winners Chapel de Birmingham, toujours, en 2015 et 16. Je me rappelle en 2014, mon salaire c'était 500 pounds. J'ai porté 300 pounds, j'ai déposé à l'église. Que Seigneur, c'est n'importe quoi dans ma famille qui me bloque. Libère-moi. Je n'avais pas les papiers, j'étais en Europe depuis 9 ans. Pas de situation. Fatiguée de tourner en rond. Et ça m'a porté, dit que Seigneur, vraiment, je suis fatiguée. Rien ne change. Le mois prochain, je paie encore ma dîme. Je vois une fille en train de se marier. Je viens, je sors. Mon salaire de la semaine, là, c'était peut-être 320 pounds. Je prends 280 pounds. Je paie les robes des filles d'honneur. Parce que Dieu m'a dit dans mon cœur que va payer les robes des filles. Les sacrifices et les offrandes que j'ai fait. Souvent, qu'elle reste comme ça en une journée. Je peux avoir 500 000 francs d'offrande. Il y a une journée, c'est même 1 million. En une journée. Hein? Tout ça, vous parlez de 2014. Hein? Ça, c'est 2014. Donc, je ne connais pas le nombre de malédictions qu'il y avait sur ma famille. Mais ça m'a pris 2000. J'ai commencé à 2013. 14. 15. 16. 17. 18. 19. C'est en 2020 que j'ai commencé à voir un peu. 2021, souffrance encore. C'est à partir de août 2021 que le Seigneur a dit que vraiment, voilà ta voie qui est totalement ouverte. Moi, je sais que parfois vous aimez qu'on vous dise que non, ne t'en fais pas, tu vas venir en une journée, tout ça va passer. Tu sais, non, 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 non. Si moi, je ne vous dis pas ce que traverse avant d'être là, vous allez me couler, quoi que. Oh, voilà, j'ai les voitures, tu as la grosse voiture, tu as ceci. Non, non, non. Les sacrifices.
Même avant que je ne découvre qu'on peut sacrifier l'animal. Je porte souvent ça là. J'entends qu'il y a un pasteur à tel endroit. Le Seigneur me dit, va faire l'offrande là-bas. Qu'il a une onction qu'il doit te donner. Je suis là comme ça, j'ai sur moi seulement 100 000. Je porte 75 000, je mets dans l'enveloppe. Je cherche le pasteur là. Je lui donne, je dis que Dieu a dit que tu vas me bénir. Je tends l'enveloppe comme ça là. Il met la main sur moi, il me bénit, il prie pour moi. Je ne le vois plus jamais. Vous savez, c'est un peu comme si tu payais ta liberté. Je ne peux essayer d'associer qu'à ça. Il y a beaucoup de choses que ma mère a traversées. J'ai grandi en voyant des choses dans mon arrière-grand-mère. Je disais ça hier à l'une des femmes qui est venue pour son lavage. Il y a des choses que j'ai vues chez mon arrière-grand-mère. J'ai vu chez ma grand-mère. J'ai vu chez ma mère. Elles sont toutes mortes aujourd'hui. J'ai commencé à voir ça dans ma vie. Mais depuis quelque temps, c'est parti. Ça veut dire que je viens de briser quelque chose qui était là sur 3 générations. J'étais la 4e génération. Vous pensez que vous avez à donner? Vous n'avez pas encore donné. Vous avez à sacrifier. Vous n'avez pas encore sacrifié. Si on a déposé l'équivalent de 5 millions de francs CFA pour te bloquer. C'est pour ça que tu vas recevoir une période comme ça. Là, Dieu va te dire, porte tout l'argent qui est dans ton compte, tu n'as pas fait. J'ai une femme comme ça une fois, non. C'était qui comme ça et... Il y a une femme comme ça là récemment. C'était en septembre, oui. Elle venait de sortir d'une relation où son mari, elle est aux États-Unis. Elle me contacte, elle me dit que, maman, en mars de 2021, Dieu m'a conduit à prendre tout l'argent qui est dans mon compte à offrir à un pasteur là-bas aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, elle est sortie d'un mariage qui l'a mangé de l'intérieur, elle sait même que le mariage la finissait sa destinée. Après ça, elle me dit, dès que je t'ai trouvé, j'ai su, ça c'est en septembre qu'elle me dit, j'ai su qu'il fallait encore que je porte. Elle fait une grosse offrande, c'est 350 000. Elle me dit que je viens d'aménager, je n'ai même pas la chaise dans ma maison. Mais je sais que dans toi, il y a une onction que je dois récupérer. Maman, les semaines qui ont suivi, la fille a acheté le terrain. Il vous dit. Alors, elle n'avait pas l'argent. Hein. Imagine, tu vis de ton compte, tu payes, tu donnes un sacrifice. Un mois plus tard ou 2 mois plus tard, tu es en train de payer le terrain. Et que tu n'avais même pas l'argent quand tu payais le sacrifice là. Voyez un peu, imaginez. Et l'autre jour, on était à l'orphelinat, pendant qu'on faisait le don à l'orphelinat, il y a une femme qui a regardé le direct comme ça. Elle n'était pas loin. Elle a pris sa moto, elle est venue. Elle dit que, maman, l'argent qu'elle donne ici, là, c'est à peu près les 75% de ce que j'ai dans mon Orange Money et de ce que je possède actuellement. Elle a fait l'offrande. Il lui a dit que viens à genoux ici, les enfants ont prié pour elle. Les enfants prient pour elle quand elle est à genoux. Elle se réveille en pleurant. Elle se lève, pardon, en pleurant. Il dit, maman, elle dit que vraiment, je vais vous faire le témoignage. Cette nuit même, j'ai rêvé qu'une petite fille est venue mettre sa main sur mon cou, elle a prié. Elle a retiré 2 longs serpents. Me voilà, je viens à l'orphelinat, je m'agenouille, les enfants viennent mettre la main sur mon cou. Ils sont en train de prier. Et quand ils prient, le Seigneur me rappelle le rêve que j'ai fait ce matin. Et elle avait une malédiction générationnelle qui la suivait depuis. Il y avait un esprit d'une de ses tantes qui était en elle. L'esprit l'avait parlé même souvent. Que c'est moi qui bloque sa vie, c'est moi qui bloque ses enfants.
elle est restée, l'esprit lui a dit, va dans l'orphelinat là maintenant, pendant qu'on était fait le direct ici. Imaginons, elle se disait que maman, yay, voilà mes 20 000 qui me restent. Tu veux que je pas donner 15 000? C'est comment, non Dieu? C'est quel genre de... C'est un autre voie. Le psaume 126 dit que... Attendez, je vais vous lire ce psaume. Parce que hier, quand la dame là qui est venue d'Allemagne, elle a fait son don. Le Saint-Esprit m'a donné ce psaume pour elle. Ça, c'est disons les cantiques qui étaient écrites. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Donc, il vous a pris de la prison, il vous sort de là. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Ça, c'est la parole de quelqu'un aujourd'hui. Attrape ta parole. Ta vie sera comme un rêve. Tu vas ressortir, tu vas pleurer, tu ne vas pas croire. Que donc, je pouvais rester, ça, il n'est pas peur de payer mes factures. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Je prophétise sur vous maintenant. Tout blocage, toute malédiction générationnelle qui vous a retenu, qui vous a attaché depuis des générations, je déclare qu'à l'écoute de cette parole, vous et votre famille vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Il dit, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec les larmes, moissonneront avec des chants d'allégresse. Vous avez parfois fait des offrandes en faisant comme ça. Tu pleurais. Ma chérie, tu étais en train de libérer les enfants de tes enfants. C'est un autre voie. Hein? Tu achètes une villa à ton fils t'achète la villa. Donc, ton enfant n'est pas pauvre, tu n'es pas pauvre. Pas le genre de dire que ce sont mes enfants qui vont me sortir de la pauvreté. Non, non, non. Tu n'es pas pauvre, ton enfant n'est pas pauvre. Vous voyagez, tu achètes ton ticket en première classe, ton fils achète son ticket en première classe. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence reviennent avec allégresse quand ils portent leur jet. Je suis là pour vous dire que vos larmes sont transformées en joie. Écoutez, je connais le Dieu qui me parle. Quand Dieu me parle, il me parle et ça se manifeste dans les heures. Je peux rester le matin comme ça. Dieu me dit quelque chose. Amen. Je ne devais pas vous montrer, mais Dieu me dit de vous montrer. Donc, je dois vous montrer. Attendez. Il le montre, je fais généralement pas ça, mais il faut que je le fasse. Dandy. Regardez. Regardez. Mettez votre main sur l'écran. Mettez votre main sur l'écran, je vous en prie. Vous allez me dire que c'est les Français, pas sûrement. Mais ça, c'est prophétique. Mettez la main sur l'écran. Ok. Dans 24 heures, je viens libérer vos finances. Toute application que vous avez faite, on devait vous répondre. Mais on ne fait qu'attendre un papier depuis. On attend un papier et vous avez envoyé le papier est bloqué. Je déclare que demain, quand votre banquier va arriver sur son bureau, le premier email qu'il va voir, c'est votre email. Et il va vous donner accès. Vous allez avoir accès à votre crédit que vous avez demandé finalement. Vous avez bien vu, non?
Voilà. Je voulais dire à Dieu que Seigneur, c'est quoi comme ça que tu me fais faire? J'ai beaucoup résisté à cette partie-là. Vous devez commencer à croire. Vous devez commencer à croire. Je ne suis pas dans votre vie pour vous rendre pauvre. Parce que moi-même, je ne manque pas. Je sais un Dieu que tu te lèves le matin, on sait, te dit, quand tu as te fait le don, il te dit qu'on monte un zéro sur l'argent que tu as te demandé là. Par la foi, tu ouvres la bouche, tu dis, je reçois mes, au lieu de dire 150 000, tu dis 15 millions. Vous allez commencer à voir. La Bible dit, béni est celui ou celle qui a cru. Parce qu'il y aura l'accomplissement des choses qui lui ont été annoncées de la part de l'Éternel. Certains d'entre vous êtes en train d'arriver dans une dimension où vous allez commencer à avoir l'argent chaque jour. Et le genre d'argent que tu recevais avant, tu faisais 2 mois, on te payait par mois, tu avais peut-être 4 000 dollars. Tu vas commencer à avoir 4 000 dollars par jour. Je sais de quoi je vous parle. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire et qu'on m'a dit de dire. J'ai fait ce que j'avais à faire, qu'on m'a dit de faire. Maintenant, le reste est dans votre main. Vous attendez des signatures pour qu'on vous livre les 500 millions. Vous attendez des signatures. Écoutez, la semaine-ci là qui vient, je vous dis. Moi, je ne sais pas un Dieu qui manque parce que il n'a pas de... il vous manque pourquoi? Du coup, quelqu'un Dieu va vous faire plaisir. Oh, j'ai peur. J'ai peur de Suzanne. J'ai peur de Jocelyne. Il faut que je... Non, 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 non. Dieu n'a pas peur de toi. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pour protéger son identité. C'est que demain, tu vas dire que, ah, Seigneur, tu avais dit, tu n'as pas fait. C'est comment avec toi? Voilà. Vous allez avoir beaucoup de restaurations financières cette semaine. Beaucoup. Au lieu de 3 clients, vous allez avoir seulement 40 clients. Mais c'est comment? Habituez-vous à l'abondance de clients. Vous ne serez même plus en mesure de satisfaire tous vos clients. Quand Jésus entrait dans le bateau de Pierre, il a pêché. Il leur a montré que partez là-bas. Achète le produit là pour vendre. Poste ça. Ils ont eu tellement de commandes qu'ils appellent les autres bateaux que venez nous aider à porter les poissons. Pardon, venez, on a besoin d'aide. Venez nous aider. Voilà ce qui vous guette. Hein. Voilà ce qui vous attend. Quand ils parlent, ça, j'ai le goût jusqu'à mince. Comment ça me plaît comme ça? Ok. Ah, au point, hein? C'est comme ça qu'ils connaissent que l'argent arrive. Hein. Moi j'aime l'argent. Je peux connaître l'odeur de l'argent. Hein. J'ai le feeling de l'argent, mon frère. Mon fmidé. Ah yeah, laissez-moi. Je reste comme ça et sang donc. Je reste comme ça. Ça c'est l'argent. Ça c'est l'argent. On va t'appeler le matin. Madame, votre application était approuvée. Ton banquier t'appelle que madame, nous avons une forte somme est arrivée dans votre compte. Nous avons besoin de vous voir, s'il vous plaît. Vos banquiers vont commencer à vous chercher. Vous allez zapper leurs appels, mon frère. Avant, ce sont eux qui vous fuyaient. Dites à monsieur de la porte que je l'ai appelé. Madame, ça fait 5 fois cette semaine que vous appelez. On vous a dit. On lui a déjà passé le message. Maintenant, vous allez voir 5 appels manqués. 4 voicemails sur ton truc. Monsieur de la porte, madame, rappelez-moi s'il vous plaît. Madame, vous pouvez passer à l'agence s'il vous plaît. C'est monsieur de la porte. On doit parler de la situation de votre compte. Oh Seigneur, you too, they bless me.
Oh Seigneur, la bénédiction est... Habituez-vous, pardon. Tu as trop rêvé des 100 millions là. Il est temps que tu touches les 100 millions là, toi-même. Et tu ne rêves plus, mais tu touches. Tu restes comme ça, tu touches toi-même. Ça te plaît? Tu mets devant toi, ça, tu mets dans la mallette, dans ton armoire, tu regardes, tu ouvres. Écoutez, tu mets comme ça, tu te tournes dans la nuit, comme ça, tu regardes. Oui. Ou bien, comme ma passe là. En fait, je suis en tête tellement fatiguée. J'ai la main lancée sur le lit. Dans la nuit, c'est tombé au sol. Donc voilà ça. Tu te tournes. Ah, c'est un bon spectacle quand même. Voilà ça. Vous allez vous habituer. Tu mets des 100 millions de francs, c'est pas grave. Tu regardes. L'argent est bon. Gapon. C'était parmi vous, je sais que vous rejetez même l'argent sans savoir. Vous fuyez l'argent. Vous avez peur de l'argent. Vous voulez justifier aux gens que tu veux justifier tes 1000 euros. Tu vas commencer à recevoir 1000 euros de jour. Chaque jour, 1000 euros en dans ton compte. La reine Mireille, Denise Mireille. J'ai prophétisé l'argent ici, là. Venez seulement avec les offrandes. J'attends vos offrandes. En 2 jours, on m'a offert 2 sacs. J'ai compris qu'il y a l'onction des sacs sur moi, non, vraiment. Les sacs et les chocolats. Vous avez vu quoi sur les sacs, les chocolats, les chaussures sur moi? Une autre est venue l'autre jour, elle m'a offert la chaussure. L'autre est venu l'autre jour avec le chocolat. L'autre est venu l'autre jour avec le sac. Le lendemain matin, donc je reçois le sac à 23 h, c'est ce qui est arrivé des États-Unis. Le lendemain à 13 h, non, même pas à 13 h, à 11 h, l'autre me donne encore le sac. Vous-même. Ça, c'est un signe de Dieu. Il est temps que je commence. Il est temps que je fasse des shopping de Vuitton là. Vous me postez ça par DHL. Vous achetez ça là-bas aux Champs-Élysées, vous m'envoyez ça. Même les bonnes choses, ça s'achète avec l'argent. Donc, il y a aussi un dernier facteur que je devais vous dire. Vous allez commencer à recevoir. Pardon, partagez ma vidéo. Hein. Vous allez commencer à recevoir. Voilà. Vous allez commencer à acheter ce que vous aimez. Voilà. Il y en a parmi vous. Je sais que ceux qui me suivent, vous avez les bons goûts. Vous n'aimez pas les petites choses. Moi, là, ma part, les Mercedes, c'est moi. Il y a quelque chose que vraiment. Il faut que je fasse des désintox de Mercedes. Ils ont l'enquête de désintox. Seigneur. Ils ont l'enquête de désintoxication. Je dis, madame, quelle est votre addiction? Je suis accro aux Mercedes. En fait, Dieu me dit de vous dire que. Je sais pas pourquoi ça me plaît comme ça. D'ailleurs, quelqu'un d'entre vous va acheter une nouvelle voiture dans les 4 semaines. Oui. Une nouvelle voiture, une voiture neuve, pas le genre que tu peux payer cash à la maison. Et mais tu vas 25 millions sur une Mercedes. Parce que souvent qu'on parle là, vous croyez que tu pars, tu tapes 1 million comme ça, 25, moi, 1, 25 fois, 1, 2, 3, 4, 7, on sort la maison, on te donne. On dit, madame, prenez la clé. On vous a mystifié les choses. Et oui. En tout cas, vous êtes sortis de ça. Les jeunes qui me suivent là, 22, 23 ans là, je sais que vous aimez les bonnes choses. 25 ans, vous aimez les bonnes choses. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas attendre 45 ans qu'on vous te met avant d'avoir l'argent. Pour vous là, avant 25 ans, vous allez avoir. Vous allez avoir. Jusqu'à vous, vous allez voir, vous allez dire que mince. L'affaire là, c'est pas la blague. Parce que tout, c'est la malédiction. Quand on brise la malédiction, peu importe ton âge, l'argent commence à venir. Donc pour vous, autant mieux qu'on brise ça très tôt. C'est pour ça que je dis que certaines d'entre vous, certaines femmes d'entre vous là, vous êtes en train de briser la malédiction sur vos enfants. Je vous en prie, faites
faites, je vous en prie, faites les lavages de vos enfants. Lavez vos enfants, que ce soit à distance, que ce soit vous-même là-bas chez vous. Faites un lavage à distance de vos enfants. Voilà le mois de mai qui est en train d'arriver. Le 1er mai, on a un lavage collectif. Donc, enregistrez-vous déjà pour ça. Nos enfants ont des désirs. Nos enfants ont des désirs terribles. Moi, ma fille, quand elle avait déjà 10 ans, elle disait, wow, je vais avoir 5 maisons, une à Hollywood, une à ceci. Mais elle avait à planifier sa vie elle-même. Il faut aussi que les jeunes commencent à devenir sages, les jeunes. Ce n'est pas par le faux que tu dois avoir l'argent. Quand on brise la malédiction, tu vas voir, tu peux aller même sur YouTube, tu fais des vidéos, tu TikTok, tu fais des vidéos, tu tombes sur un système de choses, tu prends ici, tu vends, les gens achètent. Tu fais des vidéos, ça te donne les vues, tu as l'argent. Il y a tellement de voix, tu fais de l'argent. Vous n'avez pas besoin de voler ou d'escroquer les gens. Ok. Ouais, lavage à distance, c'est 30 000 francs chacun. Que ce soit l'enfant, que ce soit le père, la mère. Maintenant, si vous avez plus de 5 personnes, je fais la réduction parce que il y a des gens qui arrivent à avoir des familles de 10 personnes. Je vous dis que les gens investissent sur leur lavage. Oh. Période d'accélération. Vous allez acheter les appareils que vous aimez. Les voitures que vous aimez. Vous allez mettre l'écran de 200 inches dans votre salon. L'insolence. J'ai des voisins ici là. Ils ont une télé dans leur salon là. Mince. Ça c'est mon âge. Ça, c'est un... Il faut que j'achète le mois prochain, j'achète ça. Il a même mis les lumières LED là, derrière la télé. Donc, il allume sa télé derrière la télé. C'est très beau. Non, laissez. Vous allez vous mettre à l'aise. Voilà. Vous allez vous mettre à l'aise. C'est tout. Vous allez vous mettre à l'aise. Vous n'allez plus manquer. Vous n'allez plus être dans le manque. Le manque. Tout ça va s'arrêter. Tu restes au salaire, tu sais que tu peux aller dans n'importe quel restaurant de ta ville manger. Tu peux te lever, tu pars, tu sors 100 000 francs, tu manges un repas, tu sors, tu pars. Tu peux aller dans tel hôtel, tu payes 200 000, tu dors. Mince. C'est pas le genre que tu payes comme ça, ça te fait mal au cœur. Vous savez un peu cette liberté dans ta tête déjà? Tu peux te lever, du coup, tu pars à Dubaï. Mince. Pas que tu pars pour dormir sur les bons cœurs avec les gens. Hein. Tu passes 3, 4, je sais pas. Une semaine dans un hôtel. Après, tu prends ton avion, tu rentres. Tu ne peux pas visiter. Tu peux aussi monter sur les chameaux. Tu passes sur les voitures qui accélèrent. Attendez. Oh, l'abondance va seulement vous... Ça va vous poursuivre. Parce que les riches ne souffrent pas mentalement. Hein. Le riche est d'abord convaincu que l'argent vient. Première chose. Deuxièmement, il sait que l'argent vient de beaucoup d'endroits. Pas que il est. Oh, ma mère ne m'a pas donné l'argent. Mon mari ne m'a pas donné l'argent. Ma femme ne m'a pas donné l'argent. Il dit qu'il y a au moins 50 voies et moyens par lesquels l'argent va venir. Donc, quand il dort là, il dort avec ses deux oreilles bien cousues, l'oreiller qui est son oreiller avec les peaux d'or, les plumes de douce ou bien de je ne sais quoi. Le genre d'oreille que tu appuies comme ça, là, tu peux mettre l'oreille dans ta main comme ça, après tu laisses ça, ça devient l'oreille. Je suis allé à Sofitel à truc là-bas, à Côte d'Ivoire. Ils avaient des oreillers particuliers.
Tu appuies l'oreille, oh, ça fait ouh. Après, tu laisses, ça fait ouh. Il dit que, mais c'est quoi ça? Oh Seigneur. Mais là, laissez ça va. Pardon, il faut que. Je veux que tous mes followers, que vous ayez l'argent. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle de certaines choses. Certains sont là, vous vous sentez mal à l'aise, vous venez mettre les têtes de moi sur mes directs. Non. Parce que quand tu as l'argent, tu n'es pas fâché. Pourquoi pas? Tu es tout de bonne humeur. Ça ne va pas, tu fais un petit shopping. Victoire, victoire, moi, je ne prie pas. Okay, je prie pour la France, comment? Je ne fais pas le genre de choses là. Celui qui sera président sera président. Moi, si on met le président là-bas, même s'ils font n'importe comment, même s'ils mettent que le franc CFA, que 1000 francs CFA, c'est 1 euro, j'aurai toujours là. Hein. Tu as compris? Donc, ce qui se passe en haut là-bas ne m'importe pas. Parce que quand tu as l'argent, tu gères ça. C'est les gens qui ont peur des APL. Oh, les APL vont changer. On ne va plus payer les ceci. Daniel, je t'ai dit que la pauvreté rend aigri. Quand tu vois quelqu'un vient dans ton direct, il t'insulte déjà. Il n'a pas mangé depuis le matin. Oh Seigneur. Eh, Seigneur Jésus. Vous savez, même quand je n'avais pas l'argent, j'avais toujours une vision. Pourquoi il doit tout faire moi-même? On est dimanche, je suis dans mon lit. Au lieu de bien dormir, pourquoi il doit me lever qu'il n'ait pas lavé le sol? Il doit courir qu'il n'ait pas fait à manger à la cuisine. Prends un cuisinier, il vient, il te fait à manger. Tu le payes! Il paye au supermarché, il fait toutes les courses. Il vient, il range dans le frigo, il prépare, il range. Hey, Seigneur Jésus, Jesus is Lord. L'autre vient laver tes habits et ranger dans l'armoire. Tu rentres, ton lit est dressé. Et c'est vos enfants de 22 ans, vous allez arriver chez eux, vous allez voir leur maison. Ils m'ont dit que c'est Tata Jocelyne qui m'a appris tout ça. Il va apprendre à vos enfants. Je vais apprendre à vos enfants à aimer les bonnes choses. Tu lèves le matin, tu ne peux pas seulement faire ton shopping. Même te laver, ton corps pèse. Tout ce que tu as fait, c'est d'aller faire ton bain, tu parles. Parce que l'autre là, tu peux pas payer pour quelqu'un pour qu'il vienne parler pour toi. Le métier de cuisinier n'existe pas pour rien. Le restaurant n'a pas été créé pour rien. Le métier, en fait, est. Il parle de mes choses comme ça. Là. Souvent, tu es là, tu es une femme et tu commences à. Tu as les idées, les projets. Tu commences à parler. Tu rencontres un homme, tu commences à dire déjà les choses aussi. Il dit, ah, tu sais, moi, je veux pas. Moi, je veux que ma femme lave le sol. Moi, il veut que. Bah, il dit que chérie, si je suis à la maison, je lave le sol. Déjà que la maison est tellement grande. Il passe 2 heures de temps à nettoyer la maison. Il passe 3 heures à cuisiner. Regarde, toi-même. Avec les 5 heures de temps là, j'aurais pu aller faire. Je parle, je fais 1 million. Sur les 1 million là, on prend 10 000 francs. On paye quelqu'un, il vient faire tout ça. Victoire, victoire, toi tu dois être pauvre. Je vais te chasser de mon direct. Tu veux l'argent pour survivre? Ça, c'est les paroles de pauvreté, ça. Ne commande plus pour l'instant, ma chérie. Voilà, tu as bien parlé, Daniel. Cuisinier, jardinier, technicien. Oh, Daniel, tu me plais. Tu es même qui, toi, là? Tu me plais. Daniel, je sens dans ton aura que
Tu es quelqu'un qui est déjà convaincu, donc c'est nécessairement question de moi pour que tu arrives au degré d'argent que tu veux. Parce que quand quelqu'un va être riche, ça se sent dans son aura. C'est dans ton énergie. Avant d'acheter les vrais Louis Vuitton, tu avais acheté les faux Louis Vuitton, tu portais, c'était partout sur toi. Ton lit était, ton drap, c'était Louis Vuitton. Oh my God. C'est ça. L'argent, ce n'est pas pour survivre. It's not to survive, it's to thrive. C'est pour flotter. Flotter, c'est-à-dire, tu te mets à l'aise. Tu penses à quelque chose, tu fais. Tu as envie de quelque chose, tu achètes. Oui. Allez, un petit Jécadet va vous enseigner ça bien même. Moi-même, je suis sur mon lit, comme je cause là, hop, pas pour moi. C'est ça que moi, je veux entendre. Je ne veux pas les gens qui souffrent sur mon direct, pardon. Quand je vois quelqu'un qui souffre, il parle un peu comme ça, là, après ça, il va encore se dévoiler lui-même dans ses paroles. Pardon. On le voit chez toi, il y a même 5 personnes le matin. On dit que les gens, les 5-6 personnes, ils font quoi? Je dis que voilà mon chauffeur. Voilà la personne qui nettoie mes choses. Voilà le cuisinier. Voilà le jardinier. Ok. Voilà même mon assistant personnel. Ouais. Il y a les habitudes de riches que vous devez avoir avant que l'argent vous suive. Hey, Seigneur, j'étais riche avant d'être riche. I was rich way before getting rich. Je dirais que cela me plaît moi-même. Hein. Ah, tu as perdu le poids. Ah, d'accord. Parce que quand moi, je vois vos photos de profil, c'est tout petit comme ça. Je ne vous vois pas bien. J'ai les femmes qui. J'ai une femme, l'autre jour, j'étais ici dehors. J'attendais que le chauffeur vienne me porter. Donc, je suis resté dehors seulement. J'étais devant le Regina Home, là. Ceux qui connaissent Bonamoussa Sadi. Je suis resté seulement 2 minutes. Une femme passe, elle gare, elle me regarde, elle baisse sa vitre. Elle me dit, ma reine, que ce que tu enseignes marche. Donc, elle fait qu'on s'est ri, elle dit que ce que tu enseignes marche. Après, elle monte sa vitre, elle part. Elle dit que non, elle sent que ça, c'est une femme qui est. Oh là là. L'argent est en train de la poursuivre. Elle fuit seulement l'argent, jusqu'à l'argent ne fait que. Donc, tu te réponds ça, tu vois l'argent partout, comme dit que la galère, là, ouais, l'argent plutôt pour elle. Bonjour, le roi Touré, comment tu vas? Quand elle lit vos messages, je peux voir vos vibrations, hein. Marie, par exemple, quand il lit ton message, j'ai tellement de soucis, de mes affaires sont bloquées. Quand je vois d'abord Marie, toi, tu es bloqué, bloqué. Quand ils voient vos commentaires, les commentaires d'abondance, les gens qui voient que l'abondance ne va suivre que votre mindset. Il y en a parmi vous, vous ne dites que blocage, blocage. Que je suis bloqué. C'est pour ça que tu es bloqué. Quelqu'un va s'asseoir avec toi 3 heures de temps parler. Que mais regarde, ça peut aller. Regarde. Hier, l'une de mes ménagères me dit, Madame, je suis tombée de la moto. Moi, il a pris mon argent. Oh. Je lui dis que, tu es tombée de la moto, non? Oui. Tu t'es blessée. Non, je veux seulement faire une petite égratignure ici. Est-ce que tu sais que tu aurais pu te faire mal de telle façon qu'on t'amène seulement à l'hôpital? Et comme ça, elle me dit, ah. Est-ce que tu sais que tu aurais même pu mourir? Elle me dit, ah. Tu es sorti d'une situation, tu vois seulement peut-être tes 2 000 francs qu'on a pris de ta poche. Tu ne vois pas que tu as épargné 50 000 francs et ton séjour à l'hôpital. Ou peut-être même la morgue.
La façon dont tu vois tes problèmes, c'est ça qui détermine ton futur. Bonjour la reine Jeanne. Et votre problème, c'est que vous êtes très souvent... Hé, hey, quelqu'un en train de jouer ma chanson préférée. Amen. Amen. Ah, c'est ma fille qui s'est réveillée. Je crois que c'est ma fille qui a mis la musique. Je vous ai jamais monté ma maison. Amen. Parce que je viens d'aménager, donc... Ah, c'est ma fille qui a mis la musique. Amen. Amen. C'est Amen. Mets encore le volume. Tu connais ma chanson préférée, tu ne mets pas le volume. J'espère que tu n'as pas mis les mini-mini. Hein. Je suis en direct, je vais te montrer sur mon direct. Là, voilà. Mais c'est quoi? Dis bonjour, non? Mets le volume, je vais danser. Voilà. Voilà ma fille. Je vais te cacher là-bas. Amen. Bon, j'ai fini mon direct. Je vais danser ma musique. And flesh go cover bon. Bon, vous passez une bonne journée. Everything you put your hand. Amen.